Et coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième ouverture du courrier de Creatina Purple. Je vais vous montrer ici, donc si tu sais zoom, filmer donc l'appareil photo pour bien montrer qu'il y a application montage vidéo. Là, ici que ma belle-fille a voulu flouter. Je vais vous expliquer comment. Maintenant tu peux revenir ici maintenant que c'est fait. Donc voilà, je tenais l'enveloppe comme ceci. Ainsi, quand je faisais l'ouverture de Creatina Purple, avec mon nom, mon adresse, forcément, énervée, excitée, comme j'étais pour voir ce qu'il y avait dedans, j'ai pu penser que là, il y avait mon nom, mon adresse. Donc, j'ai fait quoi? J'ai pris l'enveloppe comme ça, j'ai pris mes ciseaux, j'ai ouvert, sans penser qu'on voyait mon adresse en gros plan. Maintenant, mon mari, il ne veut pas que je publie comme ça, parce qu'il me dit, n'oublie pas qu'il n'y a pas que tes amis qui visionnent les vidéos. Il y a peut-être des gens mal intentionnés. Maintenant, si ma belle-fille, on arrive à récupérer la vidéo là, parce que ça charge quand même depuis hier, hein, il n'y a pas moyen, ben, ça n'avance pas, je ne sais pas pourquoi. Je vous remettrai celle-là. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé. Franchement, Anita, je suis désolée, mais franchement, j'ai vraiment fait la grosse connerie. C'était de retirer ma main. Prochaine fois, je fais comme je fais d'habitude, je mets du marqueur. Et puis c'est tout. Donc voilà. Donc dans son enveloppe, il y avait des petits nœuds comme ceci, des petits nœuds chabi. Malheureusement, tu n'as plus mon nez. Enfin, comment je vais dire Allez, quand tu découvres quoi, ils sont toujours aussi beaux. C'est pas ça que je veux dire. Donc elle m'a fait trois petits merveilleux nœuds comme ceci. Et je disais dans l'autre vidéo, c'était de venir visionner, de faire un zoom sur le papier là, que je te demandais c'était quoi comme papier, parce qu'on dirait un papier dentelle. Alors là, j'adore le vintage, là, franchement, c'est mon préféré, suivi des deux autres, je vais dire, voilà. Donc ça, c'est le premier truc qu'elle m'a mis dans mon enveloppe. Franchement, elle m'a super gâtée. Puis elle m'a mis des belles découpes comme ceci, maintenant elles sont présentées à l'envers. J'aurais dû les remettre dans l'autre sens pour montrer. Donc, c'était présenté comme ceci, avec une petite dentelle comme ça, avec un beau papier comme ça. Et à l'intérieur, on avait des belles petites découpes. Elles étaient mises dans l'autre sens. Hein. C'est moi qui les ai remises dans l'autre sens. Je vais vous montrer ce qu'elle m'a mis. Franchement, je disais que je te remerciais pour tout le temps que tu avais passé. Donc, elle m'a fait un beau petit vélo comme celui-là en noir. Elle m'en a fait un en blanc également. Je n'ai pas du tout ce die. Franchement, tu es tombé dans le mine. Dans le mille. Elle m'a fait trois jolis lampadaires comme ceci en noir que je n'ai pas non plus. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Donc, je vais vous les mettre dessus. J'en mets un à la fois pour que vous voyez bien. Donc, elle m'a fait ici donc la découpe de la bonne femme comme ceci. Je pense qu'il y en a deux. Voilà, comme ça. Elle m'a fait le petit corset comme ceci que je n'ai pas non plus. Je pense que j'en ai deux ou trois. Non, deux. Donc, deux petits corsets comme ça. Ensuite, elle m'a fait ici un joli chapeau ici, donc avec une découpe partielle, là, qu'on peut faire comme avec les fleurs que j'avais montrées. Voilà, elle m'en a fait deux. Et elle m'a fait ici des petits volets, comme ceci. Ce dash-ci, je l'ai. C'est le seul que j'ai. Franchement, tu es tombé dans le mille. J'ai beaucoup de dice, mais ça, je ne les avais pas. Et elle m'a fait également donc ce beau cadre ici. Franchement, ils sont superbes. Elle m'en a fait quatre. Elle m'a fait quatre découpes comme ça. Maintenant, nous allons découvrir donc sa carte qui était emballée comme ceci dans un superbe papier de soie. Elle est trop trop belle. Donc voilà comment elle est. Elle m'a marqué merci beaucoup. Donc, vous pouvez remarquer qu'ici, en fond d'image, elle a utilisé donc le die ici qu'elle m'a mis. Puis, elle a découpé une image. Là, ici, elle a mis des perles et une petite dentelle tout le tour. Elle a tamponné merci beaucoup. Là, je disais qu'elle devait avoir le combo pour die et tampons pour pouvoir avoir fait ceci avec les feuilles. Franchement, c'est trop, trop beau. Et je disais aussi que je ne savais pas ce que tu as mis dessus pour donner un effet nacré comme ça. Et que tu avais mis des étamines noires et que moi je n'en avais pas, que c'était les premières que je voyais. Et ici elle a mis des petites, je sais pas comment on appelle ça, des petites animales, non, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin des petites perles je vais dire. Des perles gouttes d'eau. Des perles gouttes d'eau, allez, voilà. Donc voilà ce que Anita m'a mis. Et c'était mis sur un papier, c'est pas une carte action, hein. C'est un papier je sais pas quoi,
papier, il est beaucoup mieux. Donc voilà, et je te remercie infiniment et je te fais de gros gros bisous et je te demande de m'excuser pour avoir raté l'ouverture avec toutes les émotions qu'il y avait dedans. J'espère que ma belle-fille arrivera à récupérer donc la vidéo, mais je te fais de gros gros bisous et encore mille merci.